Dieu nous fait la grâce d'écouter sa parole. God has graced us to listen to his word. Ce matin, nous allons commencer une série de messages. This morning we're going to start a series of messages. Il y a des choses que nous demandons à Dieu. There are things that we ask God. Et ces choses, pour les recevoir, sont liées à ce que Dieu a déjà dit. And then those things, in order for you to receive it, are attached to what God has said. Je donne l'exemple de la prière. I give an example of prayer. Dieu a dit, God said, je connais de quoi vous avez besoin. I know what you need. Mais en même temps, but at the same time, Dieu dit, God says, demandez et il vous sera donné. Ask and it shall be given to you. Or, nous pourrions dire, but we can say, mais Dieu connaît déjà ce dont nous avons besoin. God already knows our needs. Mais pourquoi il nous demande encore, il faut le lui dire. But why he's asking us to ask again to him? C'est parce qu'il sait. Because he knows. Tout ce qu'il a dit qu'il fera. Everything that he said that he was going to do. Il y a la part de l'homme. There is someone. There's your responsibility. La part de Dieu. And there is God's responsibility. Lorsque tu n'as pas fait ta part. When you did not do what you're supposed to do, à des moments, tu peux trouver que la bénédiction de l'Éternel est en train de se gérer dans les airs, mais cela ne t'arrive pas. At times, you can think that the blessings of the Lord are up in the air, but it's not coming to you. Et pendant ce temps que je veux pouvoir partager avec vous la série de messages que j'ai intitulé, and then during this time, I'm going to share with you a message that I have titled, Relation berger et brebis. Relationship between the shepherd and the sheep. Relation berger et brebis. Relationship between the shepherd and the sheep. Quand nous lisons la parole de Dieu. When we read the word of God. Quand nous voyons par exemple le psaume 23. When we see the psaume 23. Et toi qui nous suis de très loin. You who is following us from far. Oui, ce message t'arrive pour que tu puisses comprendre quel est la relation que tu as, si tu es brebis avec ton berger, si tu es berger avec tes brebis. And then this message is coming to you to know whether you are a relationship with your shepherd and sheep, or you are the other way around. Et dans tout ce que Dieu dit, and everything that God says, c'est pour le bien de l'homme. It's for our good. Tout ce que Dieu montre que nous devons faire, everything that God shows that we have to do, c'est nous permettre d'accéder à ce qu'il a prévu pour nous. It allows us to access what he has for us. Alors, quand nous prenons les Écritures, when we read the scriptures, nous allons en avoir toute une panoplie. We're going to have a lot of them. Alors, dans ces écritures, vous verrez que l'Éternel Dieu parle et insiste. And then we're going to see that the Lord God is speaking and he is insisting. Et la Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 26e. In the book of Matthew 26. Nous allons lire le verset 31e, là Jésus parle de lui-même. And then Jesus is speaking about himself, Matthew 26:31. Et quand il parle de lui-même, when he's speaking about himself, c'est un exemple qu'il nous donne de ce qui se passe dans la vie du berger. And then he's talking about what's happening in the life of the shepherd. En commençant par le verset 30e, starting by verse 30th, la Bible déclare, the Bible declares, après avoir chanté les psaumes, then after singing songs of praise, il se rendit au mont des Oliviers. He went to the Mount of Olives. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse à ce sujet? Can I open a parenthesis when it comes to this subject? Quand un chrétien vient à l'église, when a Christian comes to church, le moment que l'on dit que c'est le temps de célébrer Yahweh, the time they said that it's time for us to praise the Lord, tu ne peux pas faire autre chose. You cannot do nothing else. Tu célèbres le Seigneur. You are praising the Lord. Et c'est pour cela que dans l'église on a l'officiant. That's why in the church we have the moderator. Donc il nous aide à savoir quelles sont les différentes parties du culte. And then he helps us to know what are the different parts of the service. Et depuis l'époque de Jésus, since the time of Jesus, même lui aussi chantait. Even himself he was singing. C'est ce que dit la parole. That's what the word is telling us. La Bible dit, the Bible says, après avoir chanté les psaumes, after singing song of praise, il se rendit au mont des Oliviers.
They went to the Mount of Olives. Alors Jésus leur dit, then Jesus said to his disciples, vous trébucherez tous cette nuit. You will all fall away this night. À cause de moi. Because of me. Car il est écrit, because it is written, je frapperai le berger, I will hit the shepherd, et les brebis du troupeau seront dispersées. And the sheep of the flock will go off all directions. Voilà pourquoi je parle de la relation berger-brebis. That's why I'm speaking about relationship between shepherd and sheep. Jésus parle à ses propres disciples. Jesus is speaking to his own disciples. Ce qui va vous arriver, what's going to happen to you, ça va commencer par moi-même. It's going to start by myself. Laisse-moi ouvrir déjà la parenthèse en commençant. Let me start opening parenthesis by saying, si vous voyez quelque chose se passer dans la vie de votre berger, if you see something happening in the life of your shepherd, ayez déjà une attention soutenue pour savoir un malheur nous arrive. And then you need to have a captivated attention knowing that something bad is going to happen to us also. Mais généralement, que font les brebis? But generally, what does the sheep does? Quand une situation malheureuse arrive au berger, when something bad happened to the shepherd, ils disent, bon, they said, il n'a pas bien prié. Maybe he hasn't prayed very well. Peut-être Dieu l'a abandonné. Maybe God has forsaken him. Peut-être c'est pour ses propres péchés. Maybe it's for his own sin. Non. No. Jésus dit ceci à ses propres disciples. Jesus said this to his own disciples. Que cette nuit, that this night, vous allez tous chuter. You are going to fall. Vous allez tous tomber. You are going to stumble. Je vais utiliser le terme commun. I'm going to use a common term. Il voulait leur dire, aujourd'hui vous allez tous pécher. And then today he told them, today you are going to be, you're going to all sin. Alors, comment ils allaient pécher? How were they going to sin? Et il leur dit, then he adds, voilà ce qui est écrit depuis longtemps. This is what has been written since a on long time ago. On va frapper les bergers. They're going to hit the shepherd. Et les brebis seront en sécurité. And then the sheep will be in security. C'est ça, n'est-ce pas? That's what the Bible says. Je vais frapper les brebis. I will hit the shepherd. Parce que le berger est en sécurité. I'm going to hit the sheep because the shepherd is in security. C'est ça la vérité? Is that the truth? Il y a une relation entre les bergers et les brebis. There is a relationship between the shepherd and the sheep. C'est pour que chacun de nous comprenne. It is for us to understand. Ce que l'on avait dit depuis le temps d'Aaron. What has been said since the time of Aaron. Dieu dit ceci. God says this. Que quand l'huile descend sur la tête d'Aaron. When the oil comes down on the head of Aaron. C'est alors que ça va descendre sur sa barbe. And then it goes down to the beard. Et quand ça descendra sur la barbe. And then when it comes down to the beard. C'est dans cette condition là que ça va descendre sur le pan de ses vêtements. And then in that condition it's going to come down all through the clothes. Peuple de Dieu. People of God. En comprenant la relation entre votre berger et vous-même. Understanding your relationship between you and your shepherd. C'est la racine de ta bénédiction. That is the root of your blessing. Et quand tu nous comprends. When you do not understand that, tu passeras à côté de ta bénédiction sans le savoir. You're going to pass by the blessings without celui knowing qui parle, it. C'est Jésus de Nazareth. The one who's speaking is Jesus of Nazareth. Quand il parle de son message, when he's speaking about this message, il avait déjà dit depuis longtemps, he said since long time ago, à ses disciples, to his disciples, que je serai avec vous, that I will always be with you. Moi, j'ai vaincu le monde. Me, I have overcome et the world. Vous aussi prenez courage. You also take courage. Même malgré tout cela, but despite of all of this, il leur dit le scandale arrive. And then he's telling them that scandal is coming. Comment le scandale va arriver? How the scandal will arrive? On mettra la main sur le berger. They're going to put a hand on your shepherd. Et vous tous vous serez scandalisés. And all of you are going to be scandalized. Et donc quand nous écoutons cette parole, when we hear this word, nous prendrons conscience. We're going to take conscience. Qu'entre moi et mon berger, between me and my shepherd, il y a une relation. There is a relationship. Et comment j'entretiens cette relation? And how I take care of the relationship? Et comment je définis cette relation? And how do I define the relationship? Comment je me comporte dans cette relation? How do I behave in the relationship? Là, j'ai dit plusieurs verbes. I have said many verbs. Comment je vis dans cette relation? How do I live in the relationship? Comment j'entretiens cette relation? How I take care of the relationship? Comment je considère cette relation? How do I consider the relationship qui est entre moi comme brebis, that is between me as a sheep
Et alors celui que j'appelle mon berger. And then the one that I call my shepherd. Et il est facile de raconter Psaume 23. It is very easy for you to say or recite Psaume 23. Que l'Éternel est mon berger. That the Lord is my shepherd. Et je ne manquerai de rien. And I shall not lack. Mais comment l'Éternel Dieu nous garde? But how does God keep us? Il a prévu les mécanismes. He has ways. Or, qui peut frapper l'Éternel? Who can hit the Lord? Parce qu'ici on dit on frappera les bergers. Because here they're saying they will hit the shepherd. Et alors les brebis vont se disperser. And then the sheep will flock and go in different directions. Si tout pouvait s'arrêter, l'Éternel est mon berger. If everything could stop at the Lord is my shepherd. Qui alors peut frapper l'Éternel? Who else can hit the Lord? C'est là ce qui peut interpeller la conscience de chacun. That can come into the conscience of each one of us. Que le moment que tu dis que l'Éternel est mon berger. The time that you say that the Lord is my shepherd. Tu dois aller plus loin. You need to go further. Et comprendre que. And understand that. Que ce Dieu qui est le berger. This God who is the shepherd. Il le fait au travers des humains. And then he does it through humans. Alors c'est là que j'aimerais. That's where I would like. Que nous puissions lire un passage de la Bible qui est dans le livre de Matthieu toujours. And then read another verse of the Bible in the book of Matthew. La Bible dit au chapitre 9e. The Bible says Matthew 9. Nous prenons le verset 35. Verse 35. Il est écrit. It is written. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Jesus traveled among all the cities and villages. Il enseignait dans les synagogues. Teaching in the synagogues. Proclamait la bonne nouvelle du royaume. Announcing the good news of the kingdom. Et guérissait toute maladie et toute infirmité. And healing every disease and every sicknesses. À la vue de foule. In the crowd. Il fit ému de compassion. He had compassion for them. Pour ces foules. For the crowd. Car elles étaient blessées. Because they were troubled. Elles étaient abattues. They were helpless. Comme des brebis qui n'ont pas les bergers. As a sheep without a shepherd. Nous comprenons par là qu'il y a une relation. And then we understand that there is a relationship. Entre la blessure dit de la brebis. Between the wound of the sheep. Dans d'autres versions il est dit. And in other versions it is said. Ils étaient fatigués. They were tired. Ils étaient abattus. They were hopeless. Comme si. Like. C'était les brebis sans berger. There seems like there were sheep without a shepherd. C'est pour montrer. In order to show. Que la force de la brebis. That the strength of the sheep. Vient du berger. Comes from the shepherd. La force de la brebis. The strength of the sheep. Vient du berger. Comes from the shepherd. La force de la brebis. The strength of the sheep. Vient du berger. Comes from the shepherd. Quand le peuple de Dieu ne comprend pas cela. When the people of God does not understand that. Nous nous déclarerons forts. We're going to declare ourselves strong. Mais en réalité nous serons faibles. But in reality we will be weak. Relation berger et brebis. Relationship between a shepherd and a sheep. Jésus-Christ en voyant la foule. Jesus Christ by seeing the crowd. Il fut ému de compassion. He was full of compassion. Car il voyait comme des brebis sans berger. Because he was seeing them like sheep without a shepherd. Et c'est ainsi il dit à ses apôtres. Then he said to his disciples. Que la moisson est grande. That the harvest is bigger. Priez donc le Seigneur d'envoyer les ouvriers. Now pray the Lord to send out workers. Les brebis sans berger, la brebis sans berger sera abattue et fatiguée. A sheep without a shepherd will be weary and tired. Je veux le déclarer encore très fort ce matin. I will declare it higher again this morning. Une brebis qui a une mauvaise relation avec son berger sera fatiguée et sera abattue. A sheep who does not have a good relationship with his shepherd will be weary and tired. Et si nous pouvons dire autrement, and if we can say in another word, la brebis qui a une bonne relation avec son berger sera forte et sera réconfortée. The sheep who has a good relationship with the shepherd will be reconforted and strong. Et donc le comble c'est que l'inconscience de plusieurs brebis. So many sheep who are unconscious. Qui ne comprennent pas l'importance du pasteur. Who do not understand the importance of the pastor. Vous savez, frères et sœurs. You know, brothers and sisters. Quand on ne comprend pas l'importance de ce que l'on a.
When you don't understand the importance of what you have, tu ne pourras pas bénéficier de la plénitude de ce que cela peut te donner. You cannot fully benefit of what it can bring to you. Par orgueil, just by pride, par égoïsme, even by being scarce, certes, égoïsme, greedy, greedy. Certains se cachent derrière les versets du genre. Many people hide behind verses. Dans la nouvelle alliance, in the new covenant, nous sommes tous des sacrificateurs. We are all a priest. Non, c'est la mauvaise compréhension de la parole de Dieu. That's the wrong understanding of the word of God. Parmi les sacrificateurs, among priests, l'Éternel Dieu plaçait toujours un autre sacrificateur qui pouvait diriger les autres. The Lord God was always placing a higher priest that could lead others. Comprendre cela, understanding that, tu bénéficies de la grâce de Dieu dans sa plénitude. You're going to be a beneficiary of the grace of God in its fullness. Ne pas le comprendre, not understanding it, tu pourras chercher la bénédiction, mais la bénédiction sera à distance de toi. You can seek for blessing, but it will be far away from you. J'aime toujours expliquer les mots. Like to explain words. Par la compréhension de ces mots, by understanding the words, nous sommes capables de dire est-ce que c'est ce que nous sommes. Are we capable to say it is who we really are? Les deux mots sont clairs, c'est le berger et la brebis. The two key words are the sheep and the shepherd. Alors, parlons un peu comment le dictionnaire définit le berger. How does the dictionary define a shepherd? Le berger, c'est la personne qui garde les brebis. The shepherd is the person who takes care of the sheep. C'est la personne qui garde, who protects, et puis qui prend soin, and who takes care. Donc ces deux mots sont différents dans leur essence. Those are two different words. Que le berger, c'est la personne qui garde. The shepherd is the one who protects. Et le berger, c'est la personne qui prend soin. And then he's the person who takes care. Maintenant, qu'est-ce que la brebis? But who is a sheep? La brebis du reste n'est pas un mouton, parce que le mouton, c'est le masculin. And then the sheep masculin. Is just a female of... Okay. Donc, si on aurait parlé de moutons, and then when they talk about the male sheep, alors, là, vous savez, Dieu, quand il utilise les mots, il sait pourquoi. You know, when God uses word, he knows why. Dans la Bible, on n'a pas dit que ceux qui suivent Jésus sont des moutons. In the Bible, they said that those who are following Jesus are male sheep. Lis les différentes versions. Read a different version. On les appelle toujours les brebis. They always call them a sheep. Quand on les appelle les brebis, when they call them sheep, c'est au féminin. That's in a feminine. Que vous soyez homme, que vous soyez femme. Whether or not you are a man or a woman. Même quand Jésus voulait aller au ciel, when Jesus wanted to go in heaven, il dit, je mettrai ma main. He said, I will put my hand. À droite, il y aura les brebis. And then on my right hand, it will be sheep. Et à gauche, il y aura des chèvres. And then on the right, there will be rams. C'est là qu'il a mélangé le bouc ainsi de suite. That's where he mixed the rams and mais all of that. Pour la droite, but for the right, il a utilisé toujours le mot brebis. He always used the word sheep. Alors, quand on parle de la brebis, and then when we speak about the sheep, il y a deux caractéristiques importantes. There are two important characteristics. La brebis est celle qui est élevée pour la reproduction. And then the sheep is the one who has been raised for reproduction. Et pour la production laitière. And then for the productions. Reproduction, reproduction, et puis la production laitière. And then the production. La reproduction, reproduction, ça veut dire que la brebis est appelée à mettre bas. Meaning that the sheep is called to give birth. Et alors production, and then production, là c'est elle produit du lait. Then you are producing milk. Et le lait à pour quelle destination? And then the milk is for what? Alors frères et sœurs, my brothers and sisters, dans les deux définitions, in the two definitions, nous avons la facilité de comprendre le rôle de chacun. We have the easiness to understand the role of each one of us. À
avant d'établir les relations qui doivent les régir. Before establishing the relationship. C'est comme dans un foyer. It's like in a home. Quand le mari et la femme, ils n'ont pas compris leur rôle. When the husband and the wife did not understand their role. Les relations vont toujours être tumultueuses. And then the relationship will always have problems. Quand le mari connaît son rôle, when the husband knows his role, la femme connaît son rôle, and that the wife knows her role, les relations seront bonnes, and that the relationship will be well. De la même manière, the same way, au sein de l'église, at church, oh peuple de Dieu, people of God, ce que Dieu veut de l'église, when what God wants from the church, il a besoin de cette armée puissante. He wants this powerful army. C'est pourquoi Jésus a déclaré, that's why Jesus Christ declared, que je bâtirai mon église sur le roc, I will build my church upon a rock, et les portes de l'enfer ne pourront pas résister contre l'église. And the gates of hell will not resist against the church. Quand j'analyse le mot porte, when I analyze the word door, je trouve là les sorties des démons. And then I find that's where demons parce que come quand out. L'enfer s'ouvre, because when hell's open, il n'y a pas un ange bon qui sort de l'enfer. There is no a good angel il that comes from hell. Les portes du séjour de mort. He said the door of hell. Il dit les portes de séjour de l'enfer. He said the door of the days of hell contre l'église will not do anything against the church. Il veut dire ceci. It means this. Quand une porte de l'enfer s'ouvrira, when a door of hell will open up devant l'église, in front of the church, les démons qui sortiront de l'enfer ne feront rien contre l'église. The demons coming out of the hell will not do anything against the church. Mais pourquoi à des moments le peuple de Dieu, why at times the people of God, quand ils sont en se disant membres de l'église, when they are called a member of the church, ils se disent membres du corps de Christ, they said member of the body of Christ, parfois ils se voient frappés par les démons, sometimes they get hit by demons, c'est parce qu'ils ne comprennent pas, because they do not understand, qu'au sein du corps de Christ, that in the body of Christ, de quelle manière ils sont appelés à vivre, in which way they are called to live. Je me rappelle I always remember dans un foyer, in a home, on m'appelle, un enfant était gravement malade. They call me that a child was sick. J'arrive. And then I got there. Et alors papa tremblait, maman tremblait parce que l'enfant se voyait comme s'il peut mourir. And then both the parents they were shaking because the child was about to die. Je m'incline pour vouloir prier. And then when I bow down to try to pray, le Seigneur m'ouvre les yeux. The Lord opens my eyes. Je vois dans la, comme si c'était dans une maison les objets liés ainsi de suite. I see like in a home things were bound in pieces. Et directement l'interprétation m'est donnée. And then the interpretation has been given to me. Il y a le désordre dans la maison. In the house there are no order. Alors je regarde le mari. And then I look at the husband. Je dis qu'il y a un problème dans cette maison. I ask is there a problem in this house? Et alors le mari me dit non il n'y a pas de problème. He said no there is no problem. Et alors la femme. And then the woman stands dit, up. Non, papa. He said, no, father. Mes valises sont déjà pactées dans la chambre. And then my suitcase are already packed. Parce qu'il m'a dit que, en tout cas, toi et moi, c'est baby nango. Because he told me and you, that's it. Alors, quand la femme parle, and then when the woman speaks, alors l'homme dit, bon, c'est à cause d'elle-même. He said, because of herself. Et je dis, alors, mais tu m'as dit qu'il n'y avait pas de problème. I told the man, you told me that there was no problem. Ah oui, bon, voyez, homme de Dieu. You see, men of God. Et puis je leur dis, and then I told them. Commençons par vous-même. Let's start with yourself. Quand nous parlions, when we started speaking, l'homme voyant la gravité de la maladie de l'enfant, and then the man seeing how sick the child was, and then comes back to himself, il se repent, and then repents, et la femme aussi, and then the woman also, il se demande pardon, and then they ask for forgiveness. Pendant que moi je priais, while I was praying, pour leur réconciliation, for their reconciliation, quand je dis amen, when I say amen, l'enfant était déjà à côté de nous. And then the child was already next to us. C'est-à-dire réveillé. Meaning she was awake. The child was awake. Partie, the fever was gone. Maladie partie. The sickness was gone. Et l'enfant en bonne santé. And then the child was in good health. Pour dire quoi? In order to say what? Le diable a trouvé la voie d'entrée. The devil just found a way to enter. Parce que les deux n'étaient pas en bon terme. Because both of them were not écoutez in good terms. Écoutez-moi, Église de Dieu. Listen to me, Church of God. Il y a autant de bénédictions que nous manquons. There are so many blessings
things that parce we miss. Parce que parfois nous ne gérons pas bien nos relations entre notre berger et nous-mêmes. Because we don't know how to manage our relationship between our shepherd and ourselves. J'expliquais les deux éléments berger brebis. I was explaining the two elements, shepherd and sheep. Et j'ai dit qu'il est important de savoir. And then I said it is important for us to know. Qu'avant d'être la brebis, before being the sheep, vis-à-vis du pasteur, toward your pastor, il faut se reconnaître brebis du Seigneur. You need to acknowledge that you are the sheep of the Lord. Je répète. I repeat. Avant de dire je suis brebis du pasteur. Before saying that I am the sheep of the pastor, tu dois te reconnaître. Yourself, you need to acknowledge être brebis du Seigneur. That you are the sheep of the Lord. C'est parce que tu es brebis du Seigneur, because you are the sheep of the Lord, que tu es brebis du pasteur. Then you are the sheep of the pastor. Si tu n'es pas brebis du Seigneur, if you are not the sheep of the Lord, le pasteur n'exercera aucune autorité sur toi. The pastor will not exercise any authority on you. Par exemple, for example, le pasteur ne peut pas appeler n'importe qui. The pastor cannot just call any person. Oh, en tout cas, vous là dans votre couple, je sens qu'il y a des problèmes. Je vous demande de ne plus faire des problèmes. And then your couple, I see that you don't have any problem. I ask you no more problems. Et alors celui-là l'entend facilement. And that person can easily listen to the pastor. Mais tandis que pour toi, but for you, juste par un coup de téléphone, just for a phone call, il y a des fidèles, there are members qui parfois ils ont tellement de l'estime pour l'évêque. They have so much estimation for the bishop. Et la, l'homme dit à la femme. And then the man said to the woman. Et puis attention, hein, you need to be careful. Je vais te discipliner. I will discipline you. Mais que je n'attende pas ça chez l'évêque. But I don't want to hear it from the bishop. Donc quand il parle comme ça. When he says that. Il dit que un jour je reçois l'autre, je dis bon toi. Ta femme t'a accusé. Your wife accused you. Alors directement il dit. And then directly he says. Papa, comme ce problème est déjà arrivé chez vous. Since he comes, he already arrived to you. Je vous promets que le problème est terminé. And then I promise you that the problem is finished. Moi j'ai dit non, non, nous devons en parler. He said no, we have to talk about dit, it. Non papa, he n'en said, parlons no, pas. Let's not talk about it. Non vraiment s'il vous plaît. No please. Je ne saurais pas continuer de parler. I cannot continue. Je vais seulement speaking. Arranger ce problème. I'm just gonna fix it. Donc cette personne. So that person. Reconnais l'autorité. Acknowledge the ce n'est authority. Pas en fonction de moi. It's not a c'est function d'abord of en me. Fonction de ce qu'il reconnaît l'autorité de Jésus. That is acknowledging the authority of Jesus. Alors, les gens qui ne reconnaissent pas l'autorité de leur pasteur. People who do not acknowledge the authority of their pastor. Nous devons nous poser la première question. We need to ask ourselves the first question. Est-ce que Jésus a-t-il de l'autorité dans leur vie? Is Jesus have the authority in their life? Parce que si réellement. Because if truly. Que Jésus est ton Seigneur, if Jesus is your Lord, devant ton pasteur, before your pastor, parce que tu verras Jésus au travers de ton because pasteur, you will see Jesus through your pastor. Jésus ne te protège pas comme ça dans le vide. Jesus does not protect you in the air. Un jour, moi, je suis ici aux États-Unis. One day, I was here in the United States. Et puis Dieu me dit. And then God tells me. Dis à, ce, à ton fils là. Tell your son. Il vient d'avoir $10,000. He just had $10,000. Dis-lui. Tell him. Je prends le téléphone. And then I take the phone. J'appelle un fidèle. And then I call. Je dis bon, écoute. Listen. Dieu m'a dit même le montant que tu as eu. God also told me the amount that you had. Il dit ah papa. He said wow father. Dieu aussi est compliqué. God is complicated. Mais j'ai eu juste 3 000. I just had 3,000. Et je dis non. I said no. Dieu m'a dit que tu as eu 10 000. Eh papa. No. Ah, en tout cas j'ai eu peur de Dieu. Oh no, I am afraid of God. Je veux dire à quelqu'un. I want to say to someone. Il y a une relation entre toi et ton pasteur. There is a relationship between you and your pastor. Parce que Dieu le sait. Because God knows it. C'est ainsi il va lui dire. That's why God is going to speak to your pastor. Que je t'ai béni. That I have blessed you. Un de tes brebis, une de tes brebis. One of your sheep. A gilet pour toi. Has milk for you. Alors, vous demandez à la brebis. And then now you ask the sheep. Il commence à t'échapper. And then started to escape oh, you. Quand j'ai sauté l'autre ferme. Oh, when I was jumping the other oh, farm. L'autre fermier a tout puisé. And then they took all the milk. Et Dieu, vous savez, Dieu est bon. You know God is good. Vous savez comment il appelle l'autre fermier. You know how God will call the other farmer. Il l'appelle mercenaire. And then he's called, I call him a mercenary. Donc,
Donc, peuple de Dieu, so, people of God, n'allez jamais donner votre lait aux mercenaires. Do never go give your milk to the mercenaries. Il faut donner votre lait à votre berger. And give your milk to your shepherd. Je ne sais pas là où tu es. Hein? I don't know where you are. Alors je disais, so I was saying, que la stratégie satanique, that's a demonic strategy, pour mieux combattre les brebis, in order for him to fight better il the attaque sheep, les bergers, he attacks the shepherd, et les brebis se moquent, and then the sheep mocks, et il critique leur pasteur, and they criticize their pastor. Or il est attaqué pour, juste pour que vous soyez bien bien attaqué. And then your shepherd is being attacked so that you guys can be attacked very well. Frères et sœurs, brothers and sisters, je veux parler de relation berger-brebis. I'm speaking about relationship shepherd and sheep. L'objectif, the goal, c'est pour que vous entriez pleinement dans les bénédictions qui est prévues dans votre église. So that you can fully enter into the blessing that has been set for your church. Et je dis, il y en a. And then I said there are. Donc les bergers gardent. So the shepherd keeps. Alors quelle est la question à ce moment-là? So now what is the question at this time? Comment garder une brebis qui te dit qu'elle est déjà grande et qu'elle est indépendante? How to keep a sheep who tells you that they have grown and they have become independent. Et c'est comme ça que nous recevons certains des membres de l'église. That's how when we receive certain members of the church. Assis chez lui dans son canapé devant le film. And then they are sitting watching a movie. Bon, moi j'ai déjà grandi. Me, I have already grown. Ouais, vous savez, je suis déjà un homme qui a grandi, il est déjà libre. And then I am already free. Et donc il est indépendant. So I am independent. Il ne répond d'ordre. I don't respond to nobody's order. Si vous entendez une brebis qui parle comme ça, if you hear a sheep speaking like that, elle est malade. They are sick. La maladie, quand on parle de vache folle, when they speak about goats who are crazy, alors est-ce que ce sont des vaches qui sont endormies? Is there that they are sleeping? Je vous pose la question, les vaches folles. Elles sont agitées. The cow that are crazy. Elles veulent aller partout. They want to go everywhere. Donc si à l'église, if at church, tu vois un frère agité, when you see a brother being agitated, you say, really? Ça peut être une vache folle, celle-là. He may be a crazy cow. Et si toi-même tu es agité, if yourself you are agitated, tu peux te dire, you can say to yourself, est-ce que la folie est en train de m'arriver? Is he, am I becoming crazy? Donc on ne peut pas garder quelqu'un qui se dit indépendant. We cannot keep someone who's calling themselves as independent. En disant, moi, je suis déjà grand. You said that I have already grown. Vous savez, c'est comme dans nos familles. You know, it's like in our families. Quand l'enfant veut se marier, when a child wants to get married, là, il dit à son père, and then they tell the father, j'ai déjà grandi. Now I'm already grown. Je dois prendre mes propres décisions. I need to make my own decision. Et donc, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise quoi que ce soit. I don't need anybody to tell me whatever. Quand il va dans le mariage, and then when they go in the marriage, et que ça ne marche pas, and it doesn't work, alors là, il sait que papa existe. And then now they know that my father does alors, exist. Il dit, oh, pourquoi? He said, oh, why? Depuis que je suis dans le since mariage, I'm in the marriage, ça ne marche pas. It's not working. Vous, le papa, là, you are the father. Vous devez bien parler. You need to talk very et well. Si papa te répondait, and then if the father responds to you, tu as déjà grandi, you told me that you have already grown. Toi-même, that fix your own problem. De dire, they can say, quand papa me répond comme ça, when my father is responding peut-être this to celui me, qui est à l'origine de mon malheur. Maybe it's the source of me not being happy. Frères et sœurs, brothers and sisters, n'attendons pas que les souffrances nous enseignent. Do not wait for the suffering to teach us. Je reprends. I repeat. N'attends pas dans la vie que tu sois enseigné par la souffrance. Do not wait up in life so that you can be teacher by suffering. Savez-vous un jour Dieu a dit à Israël? You know one day God said to Israel, je t'amènerai dans le désert. I will bring you in the wilderness. Et là je parlerai à ton cœur. And then I will speak to your heart. Frère, brother, le désert, the wilderness,
Ce n'est pas un endroit qu'il faut souhaiter. It's not a place that you have to wish for. Que tu apprennes des leçons dans le désert. That you learn lesson in the wilderness. Tu vas prendre ça en pleurant. You're going to take those lessons crying. Tu vas prendre ça avec douleur. You're going to take those lessons with pain. Peuple de Dieu. People of God. Relation brebis-berger. Relationship between a sheep and a shepherd. Arrange ta relation avec ton pasteur. Fix your relationship with your pastor. Il y a deux choses qui t'arriveront. There are things that will happen to you. Sans que ton pasteur ne gêne. Without your pastor fasting. Juste il prononce une parole. Just him pronouncing a word. Et la parole affecte ta vie. And then the word affects your life. Et donc nous disions. So we are saying. Que le berger garde. That the shepherd keeps. Pour garder quelque chose. For you to be able to keep something. Il faut avoir la maîtrise de la chose. You need to be able to handle pour garder une brebis. For you to keep the sheep. Mais il faut avoir la maîtrise de la brebis. You need to be able to handle the sheep. C'est quand tu sais. When you know. Quand j'appelle les brebis à entrer dans le troupeau, la brebis est là. When I say that the sheep enter into your house, you enter. Mais si la brebis, quand tu appelles toutes les autres brebis, elle dit que non. Non, j'ai encore du temps ailleurs. And then when you call the sheep, that sheep said, no, I still have time to go, to be outside. Et comment tu peux garder cette brebis là? And how can you keep that sheep? Peuple de Dieu. People of God. Le Seigneur veut que nous puissions arranger nos relations brebis-berger. The Lord wants us to keep and fix our relationship between the sheep and the shepherd. Le berger prend soin. And then the shepherd takes care. Comment prendre soin d'une brebis qui n'écoute pas le berger? How are you going to take care of a sheep who does not listen to the shepherd? Écoutez, il y a des infirmières parmi vous. You know we have nurses among us. Vous donnez des médicaments aux malades. You give medicine to the sick people. Toi comme personne médicale. And then you as a medical person. Tu vois que la personne est malade. And you see that the person is sick. Mais la personne te dit je ne suis pas malade. And the person tells you no, I'm not sick. C'est pourquoi vous voyez certaines maladies. That's why you see certain sicknesses. On demande que quelqu'un suive ces médicaments-là à l'hôpital. And then they say that you must parce follow those medication in the hospital. Inconscient. Because of those are people who are sick but they are not conscious of it. And mes neveux est tombé malade. One of my nephew was sick. Et il avait la tuberculose. He had tuberculosis. Je l'ai envoyé à l'hôpital. I sent him to the hospital. On a dit il doit venir prendre le comprimé là à l'hôpital. They said he must come and take the medication from the hospital. Alors le petit qui était parti l'accompagner. And the person who went with the my nephew. Alors je lui dis mais pourquoi on existe? Ce sont des comprimés. They said on lui donne, il vient prendre. Why they just give him the medicine so that he can take it home? Et il me dit non. He said no. Ces gens-là ont dit. Those people said. Dans leur in the experience, quand il donne des médicaments pour que quelqu'un y prenne à la maison, when they give so that the person can take the medicine at home, alors parfois ils ne prennent pas. At times the person doesn't take. La conséquence c'est que la maladie ne termine pas. And then the consequence the sickness does not end. Et la personne ne dira jamais qu'il n'avait pas pris de produit. And then the person will never say that they never took the medicine. Dira toujours je prends ça ne marche pas. They're gonna say that I take medicine and it's not working. C'est aussi comme ça l'Église. That's how sometimes at church. Il y a certaines brebis qui n'écoutent pas. There are certain sheep that do not listen. Tu peux lui dire paye la dîme. You can tell them pay your tithe. Alors la brebis qui dit. And then the sheep that c'est said. C'est comme nous sommes à l'église là. Like the way we are at church. Anastasie paye. And then Anastasie paye. Et puis elle peut payer $500. And she can pay $500. Et puis Régis paye. And then Papa Régis paye. $500. $500. Et puis l'autre là Maman Zouzou paye. And then Maman Zouzou paye. $1,000. $1,000. Et puis Jériel paye. And Jériel paye. $1,500. $1,500. Et tu as dit amen. Est-ce que ça viendra 1500, tu vas amener fils. Amen. Et alors il fait le calcul. Hein? And then they do the math. Ça c'est la brebis qui fait le calcul. That's the sheep making doing the math. Imagine-toi tous ces gens-là. Just imagine all of those people paying. Et puis frère Stani paye. And then a brother Stani pay. On ne sait pas combien. And we don't know how much. Imagine-toi ce que. And just think about it, what the pastor will have. Tout ça une seule personne. All of that one person. Mais quand il prend soin de vous. When he takes care of you. Pourquoi vous ne pouvez pas dire? Why can you not say? Nous tous là. All of us. Alors une seule personne prend soin de nous. Only one person taking care of us.
C'est Dieu qui a prévu ça. It's God who had put Quand that in order. Quand tu refuses ce que Dieu a prévu, when you refuse what God has put already in place, Dieu te refusera aussi ce qu'il a prévu pour toi. God will also refuse what He has for you. C'est là que nous ne comprenons pas. That's where we do not understand. Alors je dis quand la brebis n'écoute pas. We say when the sheep does not understand. C'est pourquoi Jésus a dit. That's why Jesus said. La brebis écoute la voix du berger. That the sheep listen to the voice of the shepherd. Je vais enseigner tout cela. I'm going to teach all of that. Quel est l'impact qu'il y a quand tu écoutes la voix de ton pasteur? What is the impact that comes about when you listen to the voice of your pastor? Quand tu écoutes la voix de ton pasteur, when you listen to the voice of your pastor, ça peut te sauver de plusieurs malheurs. It can save you many bad things. Il y a des gens, there are people, qui savent que maintenant qu'ils ont les malheurs, that now that in they are in the sorrow, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté la voix du pasteur. It's because they do not listen to the voice Mais of the pastor. Difficile de revenir. It's difficult for them to come papa, back. Je ne t'avais pas écouté. That father, I did not Quand listen to you. Dit de ne pas faire X, Y, when you told me not to do Quand such je and suis such. Sorti, j'ai fait autre chose. And then when I went out, I did something else. Prendre soin. Taking care. Le pasteur peut avoir la volonté de prendre soin de quelqu'un. The pastor can have the goodwill to take care of someone. Mais, but si la personne n'écoute pas, if the person does not listen, qu'est-ce que le pasteur fera? What can the pastor do? Relation berger brebis. Relationship sheep and shepherd. Ça c'est la part du berger. That is the part of the shepherd. Les brebis se reproduisent. Sheep, they do reproduce. Combien de brebis se reproduisent dans nos églises? How many sheep reproduce themselves in our churches? Depuis que tu es brebis, since you have a sheep, tu es toujours brebis, you are always a sheep, et tu ne te reproduis jamais. And you do not reproduce yourself. Ce matin, this morning, que tu écoutes la parole, let you listen to the word, que tu vois là où il y a la maladie, and see where the sickness is. Quand tu comprendras là où il y a la maladie, when you understand where the sickness is, et tu chercheras le traitement. You're going to seek for treatment. Et le traitement te permettra, and treatment will allow you, afin que tu puisses commencer à te reproduire, for you to start reproducing yourself. Tu ne peux pas te poser des questions. Can you not ask yourself questions? Que je suis la brebis. That I am here, a sheep. J'ai dit pour se reconnaître brebis du pasteur. I said for you to know that you are the sheep of the pastor. Il faut d'abord reconnaître que tu es la brebis du Seigneur. You need to know that you must first be a sheep of God. Et je vous montrerai les conditions pour être reconnu brebis du Seigneur. And I will show you conditions for you to be known as a sheep Cela of the Lord. Permettra that will allow you, là où il faut arranger, where you need to fix, que tu puisses arranger, for you to do so. Donc si tu ne te reproduis pas, if you do not reproduce yourself, que l'Éternel Dieu t'aide, may the Lord God helps you, que toutes les fonctionnalités nécessaires, that all necessary functionalities, pour commencer à te reproduire, for that will allow you to start reproducing you. What does it mean to reproduce? Que tu puisses aussi amener d'autres brebis. For you to bring other sheep. Que c'est-à-dire d'autres convertis. Meaning other people who are converts. Tu regardes à l'église. You look at a church. Tu dis que Nathan. You say Nathan. C'est moi qui l'ai amené dans cette it's église. It's me who brought him in this Mais church. Mais ce qui est grave. What is very worse. Si on te regarde. If they look at you. On peut voir des chaises vides. They can see empty chairs. Et quand on vous regarde. And when they look at you. On dit cette chaise là. They said that chair. Se mettait la sœur telle. That sister was sitting there. Mais c'est toi qui l'a fait partir. But it's you who made that sister leave. Ce n'est pas ça le travail d'une brebis. That's not the job of a sheep. À moins que ça soit une vache folle. Unless it's a mad cow. Si tu es une vache folle, if you are a mad cow, la parole de Dieu, the word of God, est le médicament approprié. Is the correct medicine, pour collier de chasser les autres, for you to kick people out, que tu sois la brebis qui se reproduit, you must be the sheep that reproduces, qui te permettra, that will allow you, que tu peux avoir la fierté, that you can be proud. Quand tu regardes ce frère là, when you look at that brother, tu dis béni soit le nom du Seigneur, you say blessed be the name of Parce the Lord, que cette chaise était vide, because that chair was empty, je me suis reproduit, I reproduced myself, et cette chaise est occupée, and then that chair has tu been filled. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Trois chaises étaient vides. Three chairs were empty. Je me suis reproduit. I reproduced myself. Et maintenant les trois chaises sont occupées. And now the three chairs are occupied.
Relation berger brebis. Relationship between the sheep and the shepherd. Donc la brebis se reproduit. The sheep reproduce himself. Et la deuxième chose. And the second thing. La brebis produit. And then the sheep produce. Elle produit du lait. It produces milk. Et non pas de l'acide. And not acid. Je répète. I repeat. La brebis produit du lait. The sheep produce milk. Et non pas de l'acide. And no acid. Si tu prends l'acide, tu mourras. When you take the acid, you will die. Si tu prends du lait, tu as les vitamines. And when you take milk, you have vitamins. Qu'est-ce que toi tu produis comme brebis? What do you produce as a sheep? Si quelqu'un mange quelque chose qui vient de toi. If someone eats something coming from you. Va-t-il vomir le soir? Are they going to vomit in the evening? C'est une question. Question mark. Vous savez, il est arrivé un week-end. You know, there was a weekend. J'étais quelque part. I was somewhere. On m'a donné un thé qu'on appelle chez nous communément bulukutu. And then they give me a tea. Alors, quand j'ai pris. And then when I took it. Moi, c'était normal. It was normal. J'arrive à la maison. And then when I got home. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. All night long, I did not sleep. Le ventre, pas moyen. And then my stomach was... Alors, j'ai commencé à avoir peur. And then I started being scared. J'ai dit, est-ce que j'ai pris quelque chose? Did I take something? J'ai calculé. And then I did the math. Que la façon dont j'avais pris sauté là. The way I took that thing. Parce que nous savons comment nous prenons des choses en public. And then sometimes we know how we take things in public. Vous pouvez croire, vous dites, vous me donnez une tasse et moi j'ai choisi une autre. And then you give me one and I take another. Alors je me suis dit, mais j'avais tout calculé. I said, I did everything right. Donc je dis quoi? What am I saying? Je m'examinais. I was examining myself. À cause de ce que j'avais mangé. Because of what I ate. Mais après. Afterward. J'ai appelé une fille de mon église qui est docteur. I called someone from my church who's a je doctor. Dis, non, je ne me sens pas bien. Say, I'm not feeling so well. Alors je lui explique. And then I explained. Elle me prescrit un produit. And she prescribed me something. Alors je prends. When I take it. Et le produit même c'était des vermifuges. And it was something. Against worms. Against worms. Alors, mm-hmm. Quand j'ai pris, and then when I took it, alors j'ai senti ça s'est calmé. And then I felt that everything started coming et après, down. Je me suis senti très bien. And then I felt very well. Alors je me suis dit, wow. And then I said, wow. Donc en ayant 24 heures, that in about 24 hours, la personne que tu as vu hier, that person that you saw yesterday, tu peux entendre une catastrophe, you can hear a catastrophe, et tu commences à te demander qu'est-ce qui s'est passé. And then you can ask yourself what happened. J'ai compris que non, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais mangé. It did not have nothing to do with what I ate. Mais c'était juste le corps qui avait mal réagi. It's just the body that did not react very well. J'ai donné cet exemple pour dire, the example to say, si quelqu'un reçoit quelque chose qui vient de toi, if someone receives something coming from you, est-ce que ça peut lui donner la maladie? Can they give that person sickness? Ou bien ça peut lui donner la bonne santé? Or he can give that person good health. Une brebis produit du lait. A sheep produce milk. Et non pas du sang. And not blood. Quand tu vois une brebis, when you see a sheep, là où sort du lait, where the milk comes out, et le sang sort, and then the blood comes out, on ne va plus toucher la brebis, on dira elle est malade. They're gonna say no, that sheep is sick. Il faut l'amener chez le vétérinaire. They need to go to the veterinary. Donc frères et sœurs, brothers and sisters, le message que j'ai pour l'église, the message that I have for the church, c'est pour que nous puissions savoir, for us to know, les relations que nous avons berger brebis, the relationship we have between the sheep and the shepherd. Et donc pour ne pas chuter, in order for you not to fall, ici Jésus montre à ses disciples, Jesus here is showing to his disciples, que je serai pour vous une occasion de scandale, I will be for you an occasion of a fall, une occasion de chute, an occasion for you to fall, une occasion de péché, an occasion for you for sinning. Nous savons, nous racontons toujours les péchés de cet homme Pierre. We always say that this man Peter sinned. Et nous disons qu'il avait refusé qu'il connaissait le Seigneur. That he denied the Lord. Mais combien de temps? But how many times? Quand tu passes quelque part. When you go somewhere. Quand on parle de ton pasteur. When they speak about your pastor. Si on parle de lui en mal. When they are speaking wrong about your pastor. Quelle a toujours été ta réaction? What
always has been your attitude or reaction? Quelle a toujours été ta parole? What has always been your word? Tu dois te poser des questions you à ce must sujet. Ask yourself questions. Frères et sœurs, brothers and sisters, ta relation bonne avec ton pasteur? Is your relationship good with your pastor? Est un secret pour ta stabilité dans la foi? If it's good, it's a secret for your stability in faith. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de stabilité dans leur foi. There are people who are not stable in their faith. Ce n'est pas parce qu'ils ne lisent pas la Bible. It's not because they don't read the Bible. C'est juste parce que la relation entre eux et leur pasteur c'est mauvais. It's just because the relationship between them and the pastor it's not correct. Je sais quelqu'un se posera des questions. I know someone will ask themselves questions. Est-ce que le pasteur a dit à l'évêque que nous ne l'obéissons pas? Did our pastor told the bishop that we are not obeying to him? No. No. Notre travail c'est d'enseigner la parole. Our work is to teach the word. Actuellement on donne les vaccins. Actually they are giving vaccination. On demande qui a le corona et qui ne l'a pas pour qu'on administre les vaccins. And they are asking has corona who doesn't for them to give you the vaccination. On administre le vaccin à tout le monde. They're just giving you vaccine. Pour prévenir. In order to prevent. C'est pour dire. In order to say. S'il y a quelqu'un. If there is someone. Qui se retrouve que je suis brebis. That I am a sheep. Mais je n'agis pas comme une brebis. But I am not acting as a sheep. Que la personne se repent. The person can just et repent. Elle se remet dans la bonne voie. And they put themselves into the right et path. Et s'il y a celle qui agit bien. And then if there are those who are acting correctly. La parole de Dieu quand elle arrive. And then the word of God when it ça comes. Ça permet à la brebis. It allows to that dire, sheep. Oh, que je continue de faire les bonnes œuvres que je fais. So let me continue to do the good work like I'm doing. Et frères et sœurs. Brothers and sisters. Laisse-moi lire avec vous 1 Thessaloniciens. Let me read with you 1 Thessalonians. La Bible déclare. The Bible declares. Chapitre 5 de 1 Thessaloniciens. 1 Thessalonians 5. Nous prenons le verset 12 au verset 13. Verse 12 and 13. Il est écrit. It is written. Nous vous demandons, frères et sœurs. Brothers and sisters, we ask you. De reconnaître ceux qui travaillent parmi vous. To respect those who are working with you. Qui vous dirigent dans le Seigneur. That are leading you in the Lord. Et qui vous avertissent. And then who are warning you. Ayez beaucoup d'estime. Have a love for those. Beaucoup d'estime. A lot of patience. Beaucoup d'estime. A lot of value. Beaucoup d'estime et d'amour pour eux. And then love for them. À cause de leur travail. Because of their work. Et quand nous prenons la parole de Dieu. And then when we take the word of God. Dans le livre de l'épître aux Hébreux. And then in the book of Hebrews. Il est écrit qu'ils rendront compte de vos âmes. That the pastor will give account of your soul. Parce que Dieu sait ça. Because God knows about it. Parce qu'il connaît qu'il l'a chargé de vous garder. That he charge him to keep you. La Bible dit. The Bible says. Ayez beaucoup d'estime. Have a lot of value. Qu'est-ce qu'on appelle beaucoup? When they say a lot. Le beaucoup c'est un adverbe de quantité. A lot is an adverb of quantity. Maintenant tu es capable toi-même. Now you are capable yourself. De mesurer en termes de quantité. To measure when it comes to quantity. Quelle est l'estime que tu as de ton pasteur? What is the value you put in your pastor? L'estime, ce n'est pas seulement quand il est présent. And then the value is not only when he is present. Quand tu le vois. When you see him. Oh, Papa Élisée. Oh, Papa Élisée. Oh, vraiment, Papa Élisée. Oh, Papa Élisée. Oh, notre pasteur. Oh, our pastor. Mais dès que tu franchis as la porte soon de l'église. As you get out of the church door. Tu entres dans ta voiture. And then you get in your car. Comment tu parles? How do you talk? Comment tu penses? How do you think? La Bible te demande. The Bible is asking c'est you. C'est l'apôtre Paul qui est même l'apôtre des païens. It's even the apostle Paul who is the apostle of pagans. Ayez beaucoup d'estime, beaucoup. Have a lot of value. En termes de quantité. When it comes to quantity. Tu peux te poser des questions. You can ask yourself a question. Comment j'ai
estime mon pasteur? How do I value my pastor? Quand il est là, when he's there, est-ce que je l'estime? Am I giving value to him? Quand il n'est pas là, when he's not there, est-ce que j'ai de l'estime pour lui? Do I still value him? Quand les gens parlent du mal de lui, when people are talking bad things about est-ce him, est-ce que j'ai de l'estime pour lui? Am I still giving value to him? Pour dire que cet homme là, to say that that man, je ne peux pas parler en mal de lui. I cannot speak wrong against savez-vous him. Savez-vous qu'il y a un principe cher? You know there is a very worth a principle. De gratitude. Is a principle of gratitude. C'est un principe de bénédiction. Is a principle of blessings. Il est dit ceci. It says this. La main qui t'a béni. The hand that has blessed you. Il ne faut jamais cracher sur cette main là. Do not crush on it. Sinon, spit on it because la bénédiction te sera ôtée. Because the blessing will be taken away from you. C'est ainsi, mes amis. That's why, my friends. Brebis du Seigneur. Sheep of the Lord. J'ai un message pour l'église. I have a message for the church. Que les bénédictions dont nous avons besoin. That the blessings that we need. Dieu veut bien nous les donner. God wants to give mais it to us. Mais parfois il regarde le cœur de l'homme. But at times he look at the heart of the man. Mais il le sait. And he knows. Si aujourd'hui. If today. Il fait que tu deviennes tel. For him he does so that you can become such. Quel niveau tu prendras ton pasteur? In what level are you going to value your pastor? Si tu arrives à acheter Lamborghini. If you come to buy a Lamborghini, est-ce que tu viendras encore à l'église? Are you still gonna come to church? Ou bien tu viendras à l'église quand tout le monde veut sortir? Or are you gonna come to church when everybody wanna get out? Alors quand tu sais très bien que c'est le moment de la sortie, and then if you know that it's the end, alors tu débarques, and then you come, pour que les gens qui sortent, so that people who are coming out, alors que tu dis oh non vous terminez aussi les cultes très tôt, oh hein? You are finishing et early, puis, la main en poche. And you put your hands in your pocket. Tu viens voir le pasteur. And then you come and see the non, pastor. Papa Élisée. Oh, Papa Élisée. Est-ce qu'on ne peut pas mettre un deuxième oh, can we not have a second oh! service? Une brebis qui demande qu'on mette juste un deuxième culte pour elle. And then a person who's asking for the pastor to put a second service for them. En quoi tu es brebis? In what you are a sheep. Toi qui me suis à la télévision. You who's following from online. En quoi tu es brebis? In what you are a sheep. Quand tu as juste un niveau que tu connais là. If you are just at a level that yourself you regarde. Know. God is looking at you. Si tu atteignais tel niveau. If you reach another higher level. Quelle va être la relation avec ton pasteur? What is going to be your relationship with your pastor? Ce jour-là. On that day. Tu diras. You will say. Bon, les églises des Africains. The Church of Africans. Quand vous y arrivez. When you get there. Bon, à tout moment. At all time. Mais quand tu n'étais pas. When you were not. L'église des Africains était bonne. The Church of Africans was good. Aujourd'hui que tu as juste un peu seulement. And then today you just have just a little. Les églises des Africains. And then you become the Church of Africans. Bon, c'est toi qui connais qui tu es. And then it's you who knows who you mais are. Moi je parle but de brebis. Me, I'm speaking about sheep. Une brebis. A sheep. Écoute la voix de son berger. Listen to the voice of the shepherd. Vous savez, il y a certaines brebis qui sont plus costauds que les brebis, que les bergers. And then you know there are certain sheep who are very bigger than the shepherd. J'aime toujours donner cet exemple. I always like to give that example. Le chien avec lequel Messi s'entraîne. And then the dog in which Messi train with. Il semble qu'il pèserait plus de 70 kilos. And then that dog weighed more than 70 kilos. Donc, ça pèse plus que le propriétaire. And then he weighs more than the owner. Et il ne peut pas dire, bon, voilà les petits là. You non! See, Messi, he's a little. Non. Non. Dis, c'est celui-là mon maître. Just said, that's my master. Quand il fait le doigt. When he puts his hands. Et il descend par terre. And then I go down. Quelle est ta relation avec ton pasteur? What is your relationship with your pastor? Dieu veut faire des grandes choses. God wanna do great things. Mais pour qui fera-t-il? But from whom he's gonna do it? Pour celui qui changera pour un petit rien. For the person who's gonna change just for a little thing. Quand il commence à regarder le computer. And when you start looking at your computer.
computer. Les chiffres sont en train de monter. And then your numbers are going up. Alors il commence à penser. And then you start thinking. Bon, le temps d'aller à l'église. Ah, it's time to go to church. C'est le moment de checker l'ordinateur. It's the time for me to check my laptop. Pour recevoir des messages. For me to receive messages. Et 500 c'est entré. And then 500 came in. And then 5 million came in. Et quand tu devenais Bill Gates qui voit des milliards au lieu des millions. And then when you're gonna become Bill Gates, who see millions? Peuple de Dieu. People of God. La relation berger brebis. Relationship between a sheep and shepherd. Dieu voit ça. God see that. Et il dit, je vous demande. Ça c'est l'apôtre Paul qui dit, je vous demande. He said, I am asking you. D'avoir de l'estime. To have a lot of value. D'avoir de l'amour. To have a lot of love. Et donc j'étais en train de dire. And I was saying. Que pour se reconnaître berger par rapport au pasteur. For you to be known as a sheep when it comes to your pastor. Il est nécessaire. C'est que tu te reconnaisses berger de Christ, la brebis de Christ. And then it's very important for you to be known as a sheep of Christ. Et c'est là que je vais continuer la fois prochaine. And then I'm going to continue next time. Pour parler des conditions d'être véritablement une brebis du Seigneur. That condition for you to be truly a sheep of the Lord. C'est pourquoi frères et sœurs. That's why brothers and sisters. La parole de Dieu déclare. The Word of God declares que l'arbre qui porte des fruits, that the tree that bears fruit, l'auberger ou le propriétaire du champ ou le planteur va l'émonder. And then owner is going va to, l'arranger. He's going to keep taking il care va of it. Prendre soin de he's cet arbre-là. Take care of that Mais tree. L'arbre qui ne porte pas de fruits, but the tree that does not bear fruit, on va même couper. They're even going to cut it off. Ma prière auprès de Dieu. My prayer to God. Que tu ne sois pas de cet arbre qui mérite d'être coupé. For you not to be that tree that is worth of being cut off. Que tu sois cet arbre que l'eau le fermier doit émonder. And then be that tree where it's going to Objectif be taken care of. Que tu portes davantage de fruits. So that you can bear more fruit. Relation brebis, berger brebis. And then a relationship between a shepherd and Quelles a sheep. Quelles sont les bonnes relations que tu as entre ton berger et toi brebis? And then what is the relationship that's between you and your shepherd? Est-ce que tu as compris que cette relation là? Have you understood the relationship? Est-ce que tu es en train d'en envisager comment vivre dans cette relation là? Are you seeing yourself how you gonna live in that relationship? Que le Dieu de l'éternité, bless the God of eternity, celui qui place les bergers pour veiller sur le troupeau, the one who places the shepherd in order to watch over the sheep, puisse permettre ce matin, can allow us this morning, que chacun de nous, for each one of us, se dise oh Dieu, to say oh God, il y a des choses qui relèvent de moi, there are the things that come from me, de ma responsabilité. The things that I need to own up to. Je ne te demanderai pas. I will not ask you. De faire ce que moi je dois faire. To do what I'm supposed to en do. En tant que brebis. As a sheep. Je vais écouter mon berger. I will listen to my shepherd. En tant que brebis. As a sheep. Je vais me reproduire. I will reproduce myself. En tant que brebis. As a sheep. Je produirai du lait. I will produce milk. En tant que brebis. As a sheep. Je ne vais pas écouter les mercenaires. I will now listen to mercenaries. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless his word. Est-ce que vous pouvez accepter quelques minutes de prière? Can you accept few minutes of prayers? Nous allons prier Dieu. We are going to pray God. Je ne te demande pas de demander à Dieu qu'on augmente ton paycheck. I'm not asking you to ask God that they augment your paycheck. Non, je veux que tu pries Dieu afin que tu sois une brebis réelle. And then I am asking you to pray God so that you can be a real sheep. Et que tu te comportes comme une véritable brebis. For you to behave as a true sheep. Et qu'est-ce que tu ne comprends pas? And what you are not understanding? Que l'Éternel Dieu t'aide de les comprendre. May the Lord God help you to understand it. Et de te comporter de cette manière. And then to behave in a proper way. Élevons nos voix. Let us lift up our voice. Prions le Seigneur. And pray the Lord.
Pray for yourself. Pray for ton cœur. Pray for your heart. Que l'Éternel Dieu t'aide. Le puissant d'Israël. À être une véritable brebis. To be a true sheep. Fais-moi une véritable et véritable brebis, mon Père. To have a good relationship with your shepherd. Éternel Dieu. Because your blessings depend on it. Permets que je sois véritablement une brebis. That's how you're gonna be strong. Prie toi se reproduit et qui toi produit. Speak to the one who lives forever. Dieu tout puissant. Créateur des cieux de la terre, c'est toi qui connais mon âme, c'est toi qui me connais mieux que quiconque. Je voudrais devenir la vraie brebis qui porte réellement la pensée du grand berger. Que je sois réellement une vraie brebis qui répond aux besoins du maître. Que je sois capable de reproduire et de produire. Seigneur, merci pour ta parole. Lord, thank you for your word. Cher Saint-Esprit. Dear Holy Spirit. Je crois en ton œuvre. I believe in your work. Tu travailles nos cœurs. You work in our hearts. Que nous devenions de véritables disciples. So that we can be true disciples. Honneur, louange à toi notre Dieu. Honor and praise to you our Dans God. Dans le nom puissant de Jésus. In the powerful name of Jesus. Je bénis ton peuple. I bless your people. Amen. Amen.